Shalom, shalom, encore de nouveau. Parfois, nous parlons des règles douloureuses. Oui. Parfois, nous parlons des règles douloureuses. Des règles douloureuses. Qui dérangeaient parfois. Il fallait qu'on donne aussi des choses qui concernaient la santé. Parce qu'on dit la santé avant tout. D'abord, je vais dire quelque chose. Pourquoi certaines personnes, lorsque vous faites vos rituels, cela ne fonctionne pas pour vous? Bon, ça dépend de votre étape. Si vous faites des rituels, puis ça ne fonctionne pas, cela dépend de votre étape. Est-ce que votre main est propre? Il y a aussi ça. Est-ce que votre main est propre? Est-ce que vous n'avez pas des karmas lourds? Tout ceci concourt que le rituel ne fonctionne pas. Est-ce que votre étoile est brillante? Tout ceci concourt aussi à ça. Dans le cas contraire, si vous êtes propre, alors les rituels vont fonctionner. Ou soit, ce rituel n'a pas été destiné pour vous. Vous pouvez aussi avoir ça. Vous allez chercher l'écorce de Kaya Sidra. Et Kaya Sénégalaisi. Vous cherchez. Et la coude de girofle, vous allez chercher. Silopia antiopicana et antiopica, ce qui veut dire et pédiricum, celle qui a les graines. Ces trois compositions seront ensemble, que vous mettez dans un bidon, vous allez verser de l'alcool. Au coup où la dame aurait son menstrué, donnez-lui un petit verre à banquer, un petit verre comme ça, à mandel. Au coup de son truc là. Guérison assurée. Et si la femme, ses règles, ne sort pas tellement trop, au cours de l'opération, vous devez retirer du basilic pour qu'elle puisse commencer à boire. Elle va faire sortir normalement les règles. Normal. Plus 229, le 95, 26, 41, 46, Régis Raphaël, Inch'Allah.